Aujourd'hui, on va faire j'ai. J'ai jamais. Non, c'est j'ai, je n'ai jamais fait. Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Nous, on va super bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va faire j'ai et je n'ai jamais fait. Ok? Donc, pour ça, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Likez. De commenter et de partager. Go! Donc, comme vous avez dit, aujourd'hui, on va faire gêner, gêner la main. Moi, j'ai un peu triché parce que je connais un peu de questions parce que je l'ai écrit. Donc, c'est quand même des vidéos que j'aime beaucoup, que je vois beaucoup de couples font. J'ai dit, ben, pourquoi pas nous, si on veut le faire? Donc, Samuel ne connaît pas vraiment. Donc, moi, j'ai un peu triché. Donc, on commence. La première question, c'est... Donc, on va juste s'assurer qu'on a bon. Un papier. J'ai et je n'ai jamais. Okay. Ouais, parfait. Mais une clé comme ça. Okay. Donc, c'est ça. La première question, c'est j'ai ou je n'ai jamais frappé quelqu'un par erreur. Mytho. T'as jamais frappé quelqu'un par erreur? Moi, si, j'ai déjà. Donc, quand tu as grandi dans une famille, une grande famille, tu as des frères et sœurs, c'est sûr que ça a déjà arrivé. Toi, tu n'as jamais frappé quelqu'un par erreur? Par erreur. Genre. C'est pas par erreur. Genre, tu frappes quelqu'un ou tu te frappes quelqu'un ou tu te rends compte que, oh non, c'était pas la personne, tu avais fait quelque chose. J'ai déjà frappé quelqu'un, mais c'était pas par erreur. Par erreur. Parce qu'il méritait. Ok, on va passer à autre chose. Hein? Au pire, on pourra faire un story time sur ça, hein? Donc, on regarde. Donc, la deuxième question, c'est j'ai ou je n'ai jamais menti à mon partenaire. Ok, donc tu me mens. Hey, tu me mens, non? Ok, mais ben, justifie. Voilà. Ok, on aurait dû le faire comme ça, hein? Bon. Ok. J'ai. Ben, c'est ça. J'ai. Ben, c'est des petits mensonges, des rien. Donc, je ne pense pas. Par contre, toi, je ne sais pas si c'est des petits mensonges. Mm-hmm. Ok, la troisième question, c'est j'ai ou je n'ai jamais volé dans un magasin. T'as jamais volé dans un magasin? J'ai. Ah, ok. Moi, en tout cas, jamais. Ah, okay. Jamais, jamais. Ça déjà arrivé. Déjà. Ouais. Mais faites pas ça, les enfants. Hein. Moi, j'ai jamais fait. C'est un voleur. Donc, la quatrième. Voilà, ça, la quatrième question, ça serait j'ai ou je n'ai jamais maté quelqu'un dans la rue pendant qu'on était ensemble. Elle a menti. Hey, si j'ai dit que je ne l'ai jamais fait, c'est faux. C'est les yeux. Hein? C'est pas nous, c'est pas intentionnellement. Mais je l'ai déjà fait. Je pense que nos jeux ou quoi, on doit peut-être les changer. Ouais, parce que. Ah, c'est bon. Ça se voit? Ah, ouais. Les jeux? Ok, on l'a fait à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. On continue. Donc, tu mets les filles quand on est ensemble. En plus, quand on est ensemble. Oui. Ah, je ne sais pas si j'appelle ça mater. Non. Mais regarder, peut-être, oui. Bon, on va dire mater. Prochaine question, c'est j'ai ou j'ai jamais. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. J'ai ou je n'ai jamais bagarré avec mon partenaire. Vas-y. Ben, ça nous a déjà arrivé, mais ben, c'est pas vraiment des vrais. C'est pas des vrais bagarres. C'est genre, peut-être qu'il fait quelque chose que j'aime pas, ça part en ah, non, laisse-moi, blablabla, tu m'étouffes, blablabla. Mais ça arrive pas souvent parce que le chien, chien il boule. Le tout le temps. Ben, c'est. En fait, c'est dans ma nature. Quand je suis fâchée, j'ai ri. Quand je suis pas fâchée, en fait, c'est
Non, je pense que tu peux. Il y a des différentes façons, en fait. Quand il y a comme là, c'est genre. Donc, ça, c'est comme. Oh, ok, Henry, là. Mais quand je suis énervée, parce que je suis quelqu'un de très colérique. Oui, je vais l'expliquer. Je suis quelqu'un de très colérique. Donc, je travaille ça à la place. Quand. Mais c'était une façon, moi, de travailler. On a appris ça quand j'étais enfant. C'était une façon, moi, de travailler. Donc, pour baisser. C'est ma tension. Donc, quand je suis en colère, je préfère rire. Je me calme plus vite que si j'ai vraiment. Je me fâche là. Ça part en. En tout cas, c'est ça. Excusez la prochaine question. J'ai et je n'ai jamais fugué ou faire le mur. J'ai ou je n'ai jamais fugué ou faire le mur. Fugué dans la maison quand tu étais petit ou je sais pas. Moi, en tout cas, jamais. Je n'ai jamais fugué, je n'ai jamais fait le mur. Bah, on peut laisser sortir quand tu veux. Il avait la liberté depuis son enfance. C'est normal. Moi, en tout cas, j'avais pas de liberté. C'était vraiment. En tout cas, pour les Africains, vous le savez que les parents africains, là, ça joue pas. Hein? Donc, mais j'ai jamais fugué. Non. J'ai déjà sorti pour revenir comme plus tard que l'heure qu'on t'avait donné, mais pas fugué, non. Et. J'ai ou je n'ai jamais fait un cadeau de couple ben, en Saint-Valentin. Non. Non, jamais. On se fait toujours des cadeaux en Saint-Valentin. Toujours. La prochaine question. J'ai ou je n'ai jamais embrassé deux personnes dans la même journée. Un jour la famille, embrasse maman. Ben non, ça compte pas. Je parle dans des petits couples. Noël. Non, mais je pense que ici on parle des petits couples, des copines, tes partenaires quoi. Genre, t'embrasses une fille un matin, le soir t'arrives, t'embrasses une autre fille. Ah non, jamais. Si jamais. Si jamais. Parce que tu parlais d'un parti de Noël. Ben non, je parle pas de la famille. Je n'ai jamais pété en public. Jamais. J'ai tout le temps, s'il vous plaît. Le bruit est tellement silencieux, on l'entend. Tout n'importe quoi. Toi aussi. Tout le temps. Ah si, j'ai déjà, j'ai déjà, mais c'est pas une habitude. Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a jamais fait ça là. Ben non, tout le monde a déjà fait, tout le monde fait, mais sauf que pour toi, c'est exagéré, s'il vous plaît. C'est exagéré, je vais vous dire, c'est juste une petite entre parenthèses. Des fois, comme ça, je l'ai dit, retiens-toi, ne pète pas devant les gens, s'il vous plaît. Ah, c'est drôle. Aussi. Si, j'ai déjà, mais c'est pas dans mes habitudes. T'es lâché de temps en temps, mais pas. Ok, non, pourquoi c'est... on en parle de pète comme ça? Ok. Je n'ai jamais fuyé le téléphone de mon partenaire. Fuyé. Moi, j'ai déjà fuyé ton téléphone. Fuyé, non. Tu as fuyé ton téléphone, mais c'était pas fuyé. Ben, genre, tu regardes, est-ce que quelqu'un a envoyé des petits messages et ça comme non. ça? Non, ben, moi, j'ai déjà fait. Ok, on voit. Tu fais confiance. Mais je sais, moi, ça, je fais confiance, mais j'ai déjà. Bon, ça pourrait être une histoire, un story type. Bon, je ne vais pas l'expliquer. Ok. La prochaine question. J'ai ou je n'ai jamais été bourré? Oh, t'as déjà oublié quand je faisais de l'alcool? J'ai. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, la prochaine question, ça serait, j'ai ou je n'ai jamais fumé de la drogue? C'est sûr. Comment je dis? Ben oui, je vais dire j'ai, mais c'était une seule fois. J'ai essayé et tout de suite mon corps a dit non.
Ben, c'est des amis, c'est des amis. Hein? C'est des amis, des collègues de travail. Testé par impulsion. Mais non, je ne le referai jamais. Donc, la prochaine question, ça serait, c'est « J'ai ou je n'ai jamais laissé une personne s'accuser à ma place. » Laisser quelqu'un s'accuser. Mon trajet, comme je dis tantôt, quand tu grandis avec tes frères ou des sœurs, c'est inévitable. Jamais. Jamais. Genre, t'as jamais fait quelque chose et puis on dit c'est qui, tu laisses peut-être dire, oh, tu laisses, les gens pensent que c'est Sébastien, mais c'était toi. T'as jamais fait ça. Même quand t'étais. Accuser quelqu'un d'autre. Non, pas accuser. Laisser une personne s'accuser. Ça veut dire que tu fais quelque chose et on vient, admettons, ta mère ou ton père demande qui a fait ça ou qui a cassé le verre. Fait que là, t'es comme, t'es calme et puis on dit c'est Sébastien. Admettons, Sébastien, c'est son frère. Et puis tu laisses faire, tu laisses croire à tout le monde que c'est Sébastien, que c'est toi. Oh, jamais. Moi je pense que oui, mais il a sûrement oublié. Donc la dernière question, j'ai et je n'ai jamais, ah non ça on l'a déjà fait, hein? Je n'ai jamais volé donc dans un magasin. Oui, on l'a déjà fait. Donc sur ce, on a fini. Donc, comme vous voyez, on est des humains, hein? On a une partie positive et négative. Donc, c'est ça. Et puis, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. De liker, de commenter et de partager. Et de nous suivre sur notre Instagram. Sanjo Family. Je vais l'écrire sur le barre d'infos. Et puis, sur ce, on vous dit à la prochaine!